Je vous explique, Florence, et je le dis aussi, je le rappelle, Juan, ici présent, teste les kits culinaires. Vous savez, vous achetez des kits culinaires pour ceux qui n'ont pas le temps de préparer. Et puis, il les prépare. Et puis parfois, il rajoute quelque chose, il les sublime pour rajouter quelque chose de mieux, pour que ça devienne plus goûteux, plus savoureux, plus agréable. Et là, vous vous êtes intéressé à une cuisine qui est vraiment en vogue en ce moment. C'est vrai. C'est la cuisine thaïlandaise. C'est coloré, c'est relevé, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous allez revisiter ? Oui, Stéphane, comme d'habitude, donc je me suis mis à votre place, là, que vous êtes en train de nous regarder. Vous êtes un petit peu à la bourre, vous prenez un kit, vous voulez faire à manger, mais... Mais en général, ces kits, ça manque un peu de vivacité, de couleur, de passion, un peu d'émotion. Et ben, je prends ces kits et j'essaye de donner une petite touche, un peu d'acidité, un peu de vivacité. Juste mettre 2-3 astuces pour rendre la chose un peu plus belle et plus agréable. Moi, je vous propose de voyager avec moi. J'ai choisi cette fois-ci la Thaïlande. Accompagnez-moi. Ah ouais, les amis, des nouilles, des épices, du poulet. Ça vous dit un voyage en Thaïlande? J'ai un truc pour vous. Hein. Le pad thaï. On se l'attend ensemble? Notre trip en Thaïlande démarre par ouvrir notre paquet. On va découvrir toutes les surprises d'Asie qui nous réservent. On a là-dedans des noodles de riz. C'est mieux cuit. Hein. On a aussi une espèce de sauce barbecue un peu épicée. C'est un peu épicé. Ça a goût un peu de viande déjà. Il y aura un peu de sauce barbecue en caramel. Mais bon, c'est pas le tout. Hein. Maintenant, on va se mettre à bosser. Pour préparer ces nouilles, pas de taille, il nous faut un sachet de mix auquel il faut rajouter des lamelles de poulet, un œuf, des germes de soja et des tranches de citron. Donc ils nous disent de cuire nos nouilles de 5 à 8 minutes dans l'eau bouillante. 5 à 8 minutes, c'est quand même large. C'est parti. Pendant que nos nouilles sont en train de cuire, on va s'attaquer au poulet. Une poêle bien chaude avec de l'huile végétale et notre volaille rentre en cuisson. Une fois notre poulet mis dans la poêle, ils nous disent de rajouter un œuf. On a rajouté notre œuf, ils nous disent de bien remuer. Puis 5 minutes se sont écoulées, on va égoutter nos pâtes. Donc nos nouilles sont bien égouttées et ils nous disent de les rajouter dans notre poêle. Et là on va rajouter la sauce secrète, petite sauce thaï. Donc voilà, ça a cuit 5 minutes. On va débrasser, comme ils nous disent, sur une assiette. Donc voilà le résultat. Ils nous disent de finir avec un petit peu de germes de soja et quelques lamelles de citron. Donc, le poulet est bien sûr un peu trop cuit, ce qui est normal. Les nouilles, un peu trop sucrées. La sauce est trop douce. C'est un peu bizarre. Franchement, la cuisine thaï, c'est beaucoup mieux que ça. Moi, j'ai plein d'astuces. On va vraiment voyager. Pour préparer ma version des nouilles, il nous faut un sachet de mix auquel il faut rajouter des gambas, de la coriandre fraîche, de l'oignon nouveau, de l'huile de sésame, de la sauce huître et du gingembre frais. Donc voilà, on va préparer notre pad thaï avec des gambas. Un geste simple. On décortique nos jolies crevettes. L'huile, elle est bien chaude. Il faut vraiment qu'elle soit fumante. Et on va poser nos gambas dans un petit coin, de cette façon, en mode machine. On ne s'arrête pas. On les fait sauter un petit peu. À côté, nos pâtes commencent à être cuites. Et on va les rajouter pendant que nos nouilles sont en train de griller. Un petit peu d'oignon nouveau et on va émincer très finement. Si vous voulez faire plus asiatique, vous faites du bruit. On va utiliser ce produit qu'on adore tous, qui est le gingembre. On va le râper. Une fois notre gingembre rajouté, on va finir avec notre assaisonnement. Donc, quelques petites gouttes d'huile de sésame, de la sauce d'huître. On va rajouter une belle cuillère. La sauce
qui vient dans notre paquet. On ne va pas rajouter tout, on va mettre que la moitié. On mélange bien le tout. Les germes de soja à l'intérieur. On a rajouté notre petit œuf qui va légèrement cuire. Et on va se rajouter la coriandre. On va rajouter un peu d'acidité. On finit par bien bien mélanger une dernière fois. Là, on a l'Asie, là, ça sent le thaï, là. Et on passe au dressage maintenant. Round 1! Eh ouais, un vrai combat de boxe entre ces deux grands guerriers, des nouilles thaï, assaisonnés les uns avec du poulet, l'autre à la crevette. On a essayé de la revisiter, maintenant, on va goûter. Mmh, j'adore les crevettes. C'est citronné, ça a du goût. La sauce d'huître est venue casser un peu ce côté sucré. La coriandre, l'oignon nouveau rapporte vraiment du goût. Ça a vraiment de la texture. Les germes de soja, elles sont un peu cuites, donc c'est super sympa. C'est entre un fondant et un craquant qui est très intéressant. Bon, le combat était vraiment rude, mais je pense qu'il y a un vrai champion. On a réussi le pari maintenant. Surpassez-vous, c'est à vous le défi. J'aime bien, Juan, quand vous avez le triomphe modeste comme ça. Non, mais c'était quelque chose auquel je voulais vraiment me, oui. Sur une recette sur laquelle je voulais me pencher, parce que Pad Thai, c'est un des plats qui a été démocratisé le plus, oui, en Thaïlande. Donc c'est un plat qu'on trouve aujourd'hui un petit peu partout, qu'on connaît tous, et je trouvais que c'était sympa de donner des petites astuces pour le faire un peu plus sexy. Les nouilles thaïlandaises, ouais, sont différentes des nouilles européennes? Ça n'a rien à voir. Les pâtes et les nouilles qu'on connaît à base de farine de blé, là-bas, ils le font à base de riz. C'est surtout l'État, dans un moment après la guerre, ils avaient démocratisé ce plat qui n'était pas très cher et qui tenait au corps. Donc, tu étais vraiment nourri, c'était assez sympathique. Nous, on donne un petit côté plus sexy. Et, très bien. Et je vous ça a l'air bon, vous voulez goûter, goûter pour voir. Moi, j'ai appris plein de trucs super intéressants. D'abord, j'ai vu que tu gardes le vert des oignons nouveaux. C'est-à-dire que souvent, on voit des gens couper la verdure et l'acheter. Et toi, tu gardes la verdure, ça a du goût. Dans un légume, en général, tout peut s'utiliser. Les fans, le vert, le cœur, la peau. Dans la cévette et l'oignon nouveau, c'est quelque chose qui a énormément de goût. C'est chaud de voir un beau jeune homme comme ça parler de cuisine. Ouais, ouais. Dans un légume, on peut tout garder. C'est très joli de voir parler, mais quand on en fait, c'est encore plus beau. C'est bien, je suis admirative. Et en fait, c'est vrai qu'on peut tout goûter, on peut tout manger. Là, je travaille le verre de l'oignon nouveau. Et ça donne un peu de texture, on peut le manger à cru. On n'a pas besoin de cuire, c'est assez sympa, ça donne un petit côté un peu sympa. Et ouais, l'huile de sésame, n'importe quoi, et la sauce d'huître aussi. C'est vraiment typique de cette cuisine thaïlandaise, l'huile de sésame. C'est la coriandre aussi, c'est la coriandre. La coriandre, et je savais pas la sauce d'huître aussi. La sauce d'huître, en fait, c'est un extrait de jus d'huître qui est très, très connu aussi dans cette cuisine. Et ça se trouve facilement, ça? Oui, on le trouve aujourd'hui un petit peu dans tous les marchés asiatiques, en France. On en trouve un peu, et même dans les grands distributeurs, on peut le trouver. Mais il y a des régions un peu... C'est très savoureux. C'est très savoureux, c'est très parfumé. Moi, dans ce genre de plat, j'aime bien rajouter soit de la noix de cajou, soit de la cacahuète écrasée en petits bouts. Bravo, pour que ça croque. C'est une super, super idée. Ça apporte de la texture, c'est croquant. Et en plus, c'est vrai que ça se voit beaucoup dans cette cuisine. Les cacahuètes torréfiées, on peut travailler un peu de l'amande, du noix de pécan, si on veut faire quelque chose un peu plus original. Torréfiez-les un petit peu plus avant. Au four ou à la poêle? Au four, parce qu'à la poêle, en fait, il y a juste un côté qui va être grillé. L'idée, c'est vraiment de les torréfier à cœur pour extraire le maximum de goût. Et après, le limit is the sky, you know, le limite, c'est le ciel. Il faut se régaler, il faut se faire plaisir. Merci, Juan. Mais quelle finesse. Nous donne envie, bravo. Tout sur France.fr/CCVB, vous aurez la recette et les astuces de Juan.